Federer dans quelques instants. Début de ce quatrième tour. À la clé, une place en quart de finale et un match contre le Russe Nikolai Davydenko. Le match est lancé, 204 km/h pour ce dernier missile envoyé par Tomias. On parlait du temps très restreint passé par Roger Federer sur le court central avec 4h24. Tomias a passé plus de temps, mais il a aussi gagné ses premières parties avec beaucoup de facilité. Il a notamment éliminé le français Gasquet, tête de série numéro 14 du tournoi en 3-7. Il a ensuite humilié l'américain Goldstein 6-0, 6-1, 6-2. Et Tomias a éprouvé quelques difficultés à éliminer Luksak, l'Australien, en 4-7, 4-6, avant de gagner les trois dernières manches. Roger Federer qui semble un petit peu agacé, qui veut abréger l'échange. Une impatience coupable là sur ses derniers coups de raquette. 15-40, deux balles de break en faveur de Tomias.
Formidable Federer qui a réagi en patron. Il avait deux balles de break contre lui, deux balles de 2-0. Il a pris possession du court pour prendre évidemment l'avantage dans l'échange et conclure sur ce magnifique smash. Avantage Federer. Et jeu Federer. Ça n'a pas été sans mal. Il était mené 15-40, oui madame, c'est l'occasion d'agiter les drapeaux suisses un partout dans ce match qui vient donc de débuter. Et on se rend compte déjà que Tommy Haas a de solides arguments à faire valoir. Belle bagarre de première balle. Federer a servi dans ce match à 208 km/h. Il n'est pas très loin, Tommy Haas, 204 sur ce dernier service. Je vous disais qu'on allait se régaler avec les revers de ces deux joueurs. Tommy Haas qui vient de donner la leçon là. Très très beau revers. Deux jeux à un en faveur du joueur allemand dont on va dire encore qu'il est de 3 ans l'aîné de Roger Federer. Il est né en 1978, 1m88, 88 kg, donc des mensurations idéales pour un joueur de tennis. Il était numéro 2 en 2002, alors que nous sommes sur Roger Federer, 1m85, 80 kg, on connaît tout de lui. Il était élu par nos confrères du journal d'équipe champion des champions l'année passée. Pour la petite histoire, on va encore dire que le papa de Tommy Haas était à l'école avec le célèbre Arnold Schwarzenegger, l'acteur puis le gouverneur américain, et que chaque fois qu'il y a un tournoi en Californie, Tommy Haas a pris pour habitude d'aller prendre le déjeuner
avec Arnold Schwarzenegger. Voilà pour les petites histoires, pour les bruits de couloir, comme l'on dit dans le monde du tennis. Au service, Roger Federer. Thank you, players are ready. Find a seat, please. Thank you. Thanks very much. Any seat for now, please. Thank you. Mais 0-15, Federer qui commet quand même beaucoup de fautes. Chiffre assez inhabituel chez lui, après 3 jeux, il a déjà commis 8 fautes non provoquées, ou plutôt provoquées par son désir de faire le point gagnant. C'est assez inhabituel. Superbe, absolument superbe. Ouais, un petit regard de la part de Tommy Haas en direction de l'arbitre. L'arbitre portugais de cette partie, il y avait une balle effectivement qui paraissait très longue de la part de Federer. Mais alors la fin de l'action est superbe avec l'attaque sur le coup droit et puis la volée dans l'angle opposé. Il joue bien Haas. Alors il joue vraiment bien. Très combatif. La faculté, regardez, de mettre la balle très loin de la raquette de Federer. Et puis sur ce coup droit, une balle plongeante, difficile à maîtriser même pour Federer. C'est à nouveau une balle de break dans cette partie. C'est la troisième contre Roger Federer. Beau duel entre ces deux revers. Et puis tout d'un coup Federer qui prend la décision de se tourner pour frapper coup droit. Égalité.
De partout. Un Roger Federer qui a plus de problèmes pour l'instant depuis le début du match à gagner son jeu de service. Trois balles de break contre lui jusqu'ici, on le rappelle. On va voir maintenant si Federer va tenter quelque chose pour contester le service de l'Allemand. On sait que les revers à une main sont en voie de disparition dans le monde du tennis. C'est donc un véritable bonheur que d'avoir Federer et Tommy Haas sur le terrain. km/h, mais ce qui est impressionnant, regardez la frappe et regardez l'effet donné à la balle, une balle qui fuse sur l'extérieur, impossible à retourner pour Federer. 30-15. Passing extrêmement bien contré, beaucoup de maîtrise avec la tête de raquette, regardez, il monte sur cette attaque, passing en violence. La tête de raquette qui est déjà devant lui pour diriger la balle. Absolument magnifique, une nouvelle fois. Un vrai bonheur. On va revoir, il a essayé un coup très malicieux, Tommy Haas. Mais de toute manière, Roger Federer, même si cette balle avait été sur la ligne ou dans l'enceinte du court, Federer était là, il avait tout le court pour répliquer. 40-30, encore une balle de 3 jeux à 2 en faveur de Tommy Haas. Égalité, c'est la première fois depuis le début que Tommy Haas est en difficulté sur sa mise en jeu. Alors autant il est capable de rivaliser avec Federer en duel revers-revers, autant ça va être difficile pour lui en coup droit, il va exploser comme il vient de le faire. Et c'est une balle de break en faveur de Federer. La comparaison entre les deux joueurs s'arrête lorsqu'il faut comparer les deux coups droits. Le coup droit de Federer, c'est phénoménal, c'est une accélération extraordinaire. Et on a vu que Tommy Haas, qui avait résisté deux fois, a fini par exploser. Avantage Federer, balle de break. Federer.
On le sentait venir ce break à partir du moment où Federer s'est retrouvé à égalité. On s'est rappelé que Roger était l'un des meilleurs relanceurs du monde. Et surtout, c'est le bon moment, c'est le bon moment après 4 jeux de tenter quelque chose. Il l'a bien fait. 3 jeux à 2 en faveur du numéro 1 mondial. L'image, vous l'avez reconnue, c'est Patrick Kühnen, un ancien joueur. On l'avait rencontré plusieurs fois, notamment à Gstaad. On vient de nous donner le programme de demain mardi. Il est somptueux en night session. Davenport contre Justine Hénin-Ardenne, la Belge. La tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 8. Puis alors, un match dont on attend énormément, c'est le Croate Ljubicic contre le Chypriote Bagdatis. Voilà encore une affiche qui va faire saliver les amateurs de tennis. On sait que Bagdatis est dans une forme étincelante. Il a sorti Andy Roddick, numéro 2 mondial. Et avec cette volée gagnante, Federer, on allait vous le dire, égalise au niveau des coups gagnants, 5 à 5 dans ce match. Il a pris l'avantage aussi au nombre de points gagnés, 20 à 18. 45, 2 balles pour confirmer le break de tout à l'heure et mener 4 jeux à 2. Jeu Federer, voilà, 3 jeux d'affilée pour le Suisse qui était mené 2 jeux à 1 et qui vient de marquer 3 jeux et qui mène donc 4 jeux à 2. Il semble avoir pris la température, il semble avoir bien compris le jeu de Tomias, il s'est adapté à la cadence et il domine maintenant cette partie, Roger Federer. 15 minutes.
Il a raison d'applaudir Tony Roach, c'est fait avec une telle facilité. Je vous disais tout à l'heure que c'était l'un des meilleurs lanceurs du monde. Il voit très vite, il est déjà un mètre à l'intérieur du court. Il n'a plus qu'à contrer. 15-30. Ça déroule. Federer va sans doute tenter de prendre le service de Tomias. Il serait alors en position idéale. Il aurait le service pour conclure le set. Ouais, il a compris le danger, Tommy. 200 km/h pour mener 40-30. Il a très très bien servi. Au moment où il a senti le danger à 30 partout, il a, comme par magie, retrouvé la force sur sa première balle. Deux services à 200 km/h, 4 jeux à 3, changement de côté. On va profiter de ce changement de côté pour vous dire que le vainqueur de l'Orange Bowl, le Suisse Rossart, a malheureusement perdu au premier tour ici dans le tournoi junior qui vient de débuter. On sait que Rossart avait remporté l'Orange Bowl après Rosset, après Federer. Robin Rossart, ou Robin Rossart si vous préférez, il est suisse allemand, 17 ans, il n'a pas confirmé cette très très belle victoire à l'Orange Bowl en perdant au premier tour du tournoi junior. En ce qui concerne Wawrinka, associé au Belge Rokus, il était en lice en double. Et il a également perdu contre la paire américaine Gimelstob-Fischer. Donc Wawrinka va pouvoir revenir en Suisse. Voici la petite amie de Roger Federer, Mirka Wawrinec. Elle est tout le temps au Natel. Elle est tout le temps en train d'envoyer des SMS à gauche et à droite. On se demande bien à qui elle envoie le résultat du match en direct. Toujours est-il que vous la verrez encore souvent très affairée avec son portable. Jeu blanc réussi par Roger. 5 jeux à 3, première manche. 29 minutes de jeu. Oui, on se souvient que lorsqu'il avait perdu ici même contre Tomias en 5-7, il avait eu une balle de match, Roger Federer. Mais les choses ont bien changé depuis cette défaite. Roger Federer est devenu le numéro 1 mondial. Alors que Tomias a été longtemps éloigné des cours, on l'a dit, en raison d'une très sérieuse opération à l'épaule.
C'est évidemment un jeu beaucoup plus tendu pour Tommy Haas qui sert contre la perte de la première manche. Federer peut jouer de façon totalement libérée. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué. Belle réplique. La réponse du berger à la bergère, comme l'on dit dans ces cas-là. Federer a tenté un coup masqué, balle amortie. Et Tommy Haas lui rend l'appareil avec un coup tout en finesse. 45, deux balles de 4 jeux à 5. Elle est juste dehors cette balle. Changement de côté. Et ce sera au tour de Tommy Haas de contester la victoire de Roger Federer dans cette première manche. Le Suisse, le Balois, va servir pour le gain de la première manche. Prends à rien. À deux points du gain de la première manche, Federer. Et un ace. 216. C'est le record de la soirée. Et toujours cette concentration que l'on perçoit en regardant le visage de Federer. Et première manche en 35 minutes pour Federer. On est ici dans la loge des Suisses avec Tony Roach. Tony Roach qui évidemment est souvent interviewé par les journalistes australiens. Et à l'heure actuelle, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Rod Laver qui a réussi deux fois le Grand Chelem. Et Tony Roach s'est permis de dire, si Roger gagne Roland Garros,
dans sa carrière. Il pourrait devenir, avec les années qui passent, parce qu'il est encore jeune, il va encore en gagner des tournois du Grand Chelem, il pourrait devenir à son tour le plus grand joueur de tous les temps. C'est un sacré compliment. Certes, Tony Roach ne veut pas prédire l'avenir de l'histoire du tennis mondial, mais il sait à quel point Federer est un joueur talentueux, prêt à tous les efforts, à tous les sacrifices pour réussir ses objectifs. Et parmi ses objectifs, il y a bien sûr Roland Garros. Mais pour l'instant, il est complètement focalisé sur l'Open d'Australie. Il ne veut pas évoquer la Coupe Davis. Il a dit, je vous l'ai dit depuis longtemps, je prendrai ma décision à l'issue de l'Open d'Australie. Ce qui compte pour moi, c'est la santé, c'est de me préserver. Mon rang de numéro 1 mondial, je veux le garder encore très longtemps. Et si je dois faire des choix, eh bien je les ferai. Donc on attend, on est dans l'attente de la réponse de Roger Federer. On est aussi dans l'attente de celle de Leighton Hewitt, dans l'optique de cette Coupe Davis à Genève entre la Suisse et l'Australie. Leighton Hewitt, on n'y croit pas, hein. Les journalistes australiens non plus n'y croient pas, même s'il n'a toujours pas donné sa réponse. Second set, pass to serve. Tommy Haas au service, il est mené 1 set à rien. Los, a-t-il dit Tommy Haas, qu'est-ce qui se passe? Il a toujours cette petite protection autour de la cheville, Federer, autour de la cheville droite. Mais ce n'est que pour prévenir, car son entorse à la cheville n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il s'en est convaincu au Qatar, à Doha, où il a gagné le tournoi. Et à Kooyong. Mais il faut se méfier de ce rebound days, peut-être pas ce soir, mais lorsqu'il fait très chaud, il a tendance à devenir un peu gluant. Et on a vu quelques joueuses et quelques joueurs se tordre les chevilles. 40-30, pardon, Federer qui était pourtant bien dans ce jeu a peut-être laissé passer sa chance. Balle d'égalisation à un partout. Yes. Content du tout en ce moment, Tommy Haas. Advantage,
service. Il semble s'en vouloir de ne pas jouer assez long et évidemment les balles courtes donnent des possibilités à Federer. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est intraduisible. Je joue comme un âne, dirons-nous, pour rester poli. Voilà ce qu'il vient de dire Tomias. Qu'il se calme. Il a en face de lui le numéro 1 mondial. Il s'en veut de ne pas rivaliser avec Federer. Il vient de perdre son service. Tomias, au début de la seconde manche, ce n'est jamais évidemment très bon de perdre son service au début d'une manche. Il va maintenant voir constamment son adversaire devant lui, à moins qu'il réussisse à prendre le service de Federer tout de suite. Tomias qui exprime sa mauvaise humeur, fâché contre son niveau de jeu, fâché de ne pas pouvoir rivaliser avec Federer. Federer qui a toujours davantage de fautes directes que de points gagnants, mais ça, il est en train de corriger le tir. 10 coups gagnants contre 13 fautes non provoquées. Un coup magique, il a raccourci la trajectoire, il a trouvé un angle et As, qui n'était peut-être pas très attentif, était en retard sur la balle. Superbe accélération, mais remarquable passing de Tomias. Ah, quel bel échange. On s'enthousiasmait devant l'accélération coup droit de Federer. Tomias, regardez cette accélération, est sur la balle et il réussit le passing croisé dans le carré de service. C'est tout à fait bien joué de Tomias qui, dans ce jeu, se libère un peu, se lâche. 15-30. La réponse vient immédiatement. Généralement, quand Federer est malmené sur son jeu de service, lorsqu'il perd un point, souvent
très souvent même, il réussit ou un ace ou un premier service performant et il met le point. 30 partout. Et là aussi à 30 partout. 40-30. Il met en difficulté As sur son service et il va réussir une volée qui n'est pas que As ne parvient pas à retourner. Yes. Alors on va voir si ce que je vous disais se réalise, à savoir Federer vient de perdre un point sur son service, égalité, il est un petit peu chahuté. Deux joueurs à rien. Même si Tommy Haas a déjà eu dans ce match trois balles de break dans la première manche, il n'a jamais réussi à prendre le service de son adversaire. Il a été à égalité en d'autres circonstances. Aucun joueur n'a réussi pour l'instant dans ce tournoi à prendre le service de Federer. Mirny avait une balle de break. C'est de la dynamite ce coup droit. Ce sera trop long. Attention, moment crucial pour Tommy Haas, il a déjà un service de retard dans cette seconde manche. Oh, c'est incroyable. C'est un coup de fusil. Et Tommy Haas
qui joue un point crucial dans cette seconde manche, est à 2 mètres de la balle. Et puis quand on dit 2 mètres, on est gentil. Alors il fait les points quand il a envie de les faire. À 30-40, l'occasion de faire le break. Enfin, à 30 partout, pardon, l'occasion de faire le break se précise. Federer élève encore le niveau de son jeu, la cadence de ses coups. Il a réussi ce formidable coup de fusil qui lui a donné balle de break. Et sur l'échange suivant, il se montre à nouveau en béton armé. Tomias explose. 3 jeux à rien en faveur de Federer. 6-4, 3 jeux à rien. Le pauvre Tomias, qui est un excellent joueur, rappelons-le, se trouve tout d'un coup à des années-lumière de son adversaire du soir. Il a déjà joué 2 fois, Tomias, une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem, toujours ici en Australie en 99. Il avait perdu contre Kafelnikov et en 92, il avait perdu contre Safin, à noter encore. On est toujours sur Roger Federer qui récupère, qui reste concentré, qui reste serein dans ses attitudes. A noter encore un quart de finale réussi par Tomias en 2004 à l'US Open, défaite contre Leighton Hewitt. Puis on vous disait qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance dans sa carrière, Tomias, avec... Avec des blessures, il s'était fait opérer de l'épaule en 2003. Il n'a pas joué pendant 16 mois. Et puis ensuite, il est revenu à la compétition et lors d'un entraînement, le malheureux, il a glissé sur une balle qui roulait et il s'est tordu la cheville et il a dû repartir pour une nouvelle opération. Vraiment un garçon qui n'a pas eu de chance dans sa carrière, Tomias. Maintenant, il est libéré de tout souci de santé. Et il compte bien rattraper le temps perdu. 15. Bien joué. Et non. Si en revers, il peut quelquefois rivaliser avec son prestigieux adversaire, Tomias ne peut pas régater en coup droit. 40-15, 2 balles de 4 jeux à rien. Qui est fait. Dans sa carrière, Roger Federer a bien dû disputer 600 matchs. Mirka Vavrinec, que l'on a vu tout à l'heure, en a sans doute vu la moitié.
Et pourtant, le plaisir est toujours là. Elle sourit, elle applaudit. C'est toujours un régal que de voir les matchs de Federer. C'est un magicien. Dans quelques instants, il va dépasser avec ses coups gagnants le nombre d'erreurs non provoquées. Voilà, il en est à 15 coups gagnants contre 15 fautes non provoquées. Et le contre-pied. Il est tout simplement en train de jouer des balles, Tommy Haas, pour éviter la roue de vélo. Et 4-0, si Federer prend le service de Tommy Haas, il y a fort à parier qu'il remportera la manche 6-0. Alors il se bat comme un lion, Tommy Haas. Mais il ne peut rien faire, vraiment, contre ces coups dévastateurs, la plupart du temps lâchés en coup droit. Il a passé devant avec ses coups gagnants, 17 à 16. Et voilà. Ah, il n'est pas content, il est hors de lui. C'est un petit peu dommage qu'il ait cette attitude de Tommy Haas. Peut-être bien qu'il n'évolue pas à son meilleur niveau. Toujours est-il qu'en agissant de la sorte, il ne rend pas service au tennis. Federer joue extrêmement bien, Federer joue facile. Et voilà, il y a tout simplement une différence de classe entre les deux joueurs. 5 à 0, Federer au service. On sait qu'il n'aime pas perdre son service, donc on peut être certain qu'il ne va pas se relâcher une demi-seconde et il va tenter de conclure tout de suite. Il cherche des solutions, il parle, il s'excite. Ce n'est pas comme ça, à notre sens, qu'il va retrouver la lucidité et le sang-froid qu'il faudrait avoir pour jouer contre Federer. Thank you.
Peut-être montré un petit peu gourmand, Federer. Attention, c'était bien parti dans ce jeu, 15 à rien, puis tout d'un coup deux points perdus, 15-30. Il n'y a pas de danger dans cette seconde manche bien évidemment, mais on sait que Federer est très sensible et qu'il n'aime pas perdre son service. Et même s'il y a 5-0 et qu'il perd son service, cela l'affectera un peu. Oui, oui, beaucoup d'application et surtout de détermination pour claquer cette volée. Le patron du tennis mondial est en train d'humilier Tomiya, 6-0 dans la seconde manche. 6-4, 6-0. Beaucoup de journalistes lui ont demandé s'il était inquiet par le fait qu'il avait perdu à Kuyong dans l'exhibition il y a une semaine. Roger Federer face à Tomiya, c'est Federer a répondu qu'il n'était nullement inquiété, qu'il savait ce qu'il valait. C'était une exhibition, il était là juste pour s'acclimater au Rebound Days de Melbourne, parce que c'est le même Rebound Days à Kuyong qu'ici à Melbourne sur ce central. Et que voilà, il voulait s'acclimater également à la chaleur, qu'il n'avait pris aucun risque. Alors il ne s'agissait pas de réponse méprisante à l'égard de Tomiya, c'était tout simplement la réalité. Il suffit de voir le résultat ici, 6-4. 6-0, 2-7 à rien. On rappelle à tous les téléspectateurs qui nous rejoindraient en ce moment pendant la pause de midi que les Suisses se comportent formidablement. Ils étaient trois à être engagés aujourd'hui. Les deux filles ont passé, Patty Schnider et Martina Hingis, bien sûr, tout à l'heure. Elles sont l'une et l'autre qualifiées pour les quarts de finale. Patty Schnider rencontrera Amélie Mauresmo, la française. Beau choc en perspective. Quant à Martina Hingis, elle trouvera à qui parler en affrontant la numéro 2 mondiale, la Belge Kim Clijsters. Quant à Roger Federer, s'il gagne cette partie, il connaît déjà le nom de son adversaire, il s'agit du Russe Davidenko.
30-15. Il n'y a rien à faire contre ce coup droit. Il a beau chercher des réponses, Tomias, il ne les trouve pas. Ce coup droit va tout simplement trop vite. Il n'est encore pas, en regardant nos statistiques, on constate que Roger Federer n'a encore pas réussi de revers gagnant. Voilà le 11e coup droit gagnant dans ce match. Tomias, il était important pour lui de ne pas répéter le scénario de la deuxième manche où il avait d'emblée perdu son service. Il met fin à l'hémorragie, comme l'on dit en pareille situation. Il vient de concéder huit jeux d'affilée. Il s'en veut de ne pas être parvenu au terme d'un échange qu'il a bien mené, Tomias. Il s'en veut d'avoir manqué cette accélération de coup droit alors qu'il était sur la balle, que le court était grand ouvert. Il s'excuse, il n'a pas voulu faire cela. Petit sourire dans cette partie, c'est sympa. Et un ace pour ponctuer le tout. C'est rare de voir Federer quitter son cocon. La démonstration est totale. On profite de ce dernier point pour rappeler qu'ici il y a eu un grand titre dans le journal le plus lu à Melbourne. Federer 2 points, Mr. Perfection.
impossible de tenir la cadence imposée par Roger Federer dans ses duels de coups droits. Une nouvelle fois, Tomias explose, 0-15. La balle est sur la ligne. Voilà le premier revers gagnant. 30. Partout. Jeu Tomias, 2-1 dans cette troisième manche. Il est mené 2-7 à 0, 6-4, 6-0, vous le voyez. Tomias, 41e joueur du monde, mais on ne se fie pas à la hiérarchie parce qu'on sait que Tomias a déjà été numéro 2 dans sa carrière. Il doit ce classement relativement modeste au fait qu'il a été souvent éloigné des terrains. Mais maintenant, il veut rattraper le temps perdu. Il vient d'effectuer un solide début de tournoi avec 3 tours où il n'a concédé qu'un seul set. Mais maintenant, pas de chance pour lui, il est dans la partie du haut du tableau. Celle-là même où se trouve le maître et le patron du tennis mondial, à savoir Roger Federer. Et la démonstration du numéro 1 est totalement exceptionnelle, elle est étincelante. Tomias s'en veut un peu, il estime, on l'a vu dans l'expression de ses attitudes, il estime qu'il n'est peut-être pas à son meilleur niveau. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que Roger joue à un niveau auquel Tomias ne peut pas prétendre, tout simplement. Fifteen.
Oui, bien. Chaque fois, hein, on se répète, mais c'est la répétition des mêmes schémas de jeu qui nous oblige à nous répéter. Chaque fois qu'il est malmené sur son service, il réussit un ace ou un service performant en première balle. Trente partout, attention, deuxième balle. Pourtant, vous pouvez imaginer la motivation à 30 partout de Tommy Haas. Et malgré toute sa bonne volonté, il est débordé. 40-30, balles de jeu en faveur de Federer. Balle de 2 partout. Égalité, on a vu que sur cette tentative de l'homme, Federer a été gêné par la longueur de la balle de Tommy Haas. Et voilà, encore une fois, il est en difficulté, un ace derrière pour se donner un peu d'air. Jeu Federer, 2 partout. C'est surtout en coup droit qu'il a réussi un véritable récital Federer dans ce match. Il commence depuis quelques instants à se lâcher sur le revers. Il récolte pas mal de points aussi en revers gagnant. Oui. Une fois n'est pas coutume, cette accélération coup droit était trop longue. Thank you.
15-40. C'est terrible hein, pour Tomias. Federer a d'abord joué slicé, puis tout d'un coup il a joué lifté, il a changé d'effet. Et pour celui, pour Tomias, en la circonstance, ça n'a pas été facile de contrôler tout d'un coup ce changement d'effet donné par Federer. 15-40, deux balles de break. Oui, elle est trop longue. Belle combativité, bon jeu de défense de Tomias. Qui vient de sauver deux balles de break. Il se bat bien, il veut encore y croire, Tomias. Joué. Rien à dire, il est allé chercher ce jeu alors qu'il était ballotté, il était en ballottage défavorable avec un score de 15-40, mais il s'est battu comme un lion avec beaucoup de volonté au fond du court. Mais finalement, l'Allemand a pu réussir son jeu de service. 3-2 en faveur de Tomias, 2-7 à rien en faveur de Federer. C'est le dernier match comptant pour le quatrième tour de cet Open d'Australie. Dans le haut du tableau, celui de Federer, on sait tout. Dans la mesure où aujourd'hui, Davidenko a battu Erbati en 5-7, 4-6, 4-6. 6-4, 6-2, 6-3. Davidenko qui est le prochain adversaire du gagnant du match que nous suivons en ce moment. Et toujours dans le haut du tableau, Grosjean, Sébastien Grosjean, tête de série numéro 25, a battu très facilement son compatriote Paul-Henri Mathieu. Bien, pas vraiment, je crois qu'il faut être... Oui, pas vraiment, il faut être extrêmement honnête. Federer est en train de livrer une nouvelle fois un récital. Vous voyez le score, 6-4, 6-0. Dans ce troisième set, aucun des deux joueurs n'a perdu son service. Mais la barre est placée trop haute pour Tomias, qui malgré tout son talent, ne parvient pas à faire jeu égal avec Federer. Il est vrai que celui-ci est extraordinaire, il réussit, on tombe mal pour de dire cela sur ce point, mais il a réussi énormément de coups gagnants, que ce soit en coup droit, surtout en coup droit, mais également en revers. Il est
Il est le numéro un mondial, il veut gagner cet Open d'Australie, il veut enchaîner avec ses victoires précédentes à Wimbledon et à l'US Open avec un troisième titre en Grand Chelem consécutivement. Il rejoindrait ainsi dans l'histoire Pete Sampras. Alors peut-être bien que Tomias va jouer son va-tout dans ce troisième set parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur, Tomias l'Allemand. Et il est là en position favorable sur le service de Federer, mais très honnêtement, on ne voit pas comment Federer pourrait trébucher dans ce match. Encore une petite précision, les deux Suisses, Patty Schnider et Martina Hingis, ont passé. Elles sont toutes les deux en quart de finale de cet Open d'Australie. Trois balles de break en faveur de Roger Federer. Nous avons fait une petite intervention dans le 12-45 sur TSR1. Alors évidemment, trois balles de break à sauver pour Roger Federer, c'est beaucoup, hein, trois balles de break. On va voir s'il s'en sort. S'il perdait son service, il laisserait filer As dans cette troisième manche. C'est la première fois depuis le début du tournoi que Roger Federer perd son service. Y a-t-il une menace dans cette partie? 4 jeux à 2 en faveur de Tomias. On va voir. Il semble, comme dit précédemment, qu'il y ait une telle marge de manœuvre chez Federer que on ne va pas trop s'inquiéter de ce break de retard. Attention, il y a un petit relâchement incontestablement dans le jeu de Federer en ce moment. Il vient de perdre deux jeux consécutivement, 30 à rien. Dans son déplacement, Guillermo Vilas, joueur argentin qui s'est imposé à deux reprises ici à l'Open d'Australie, il fait le tournoi des vieilles gloires. Joli challenge pour Roger Federer, tenter de revenir à la hauteur de Tomias dans ce jeu. 15-40, 40-15 plutôt, c'est bien sûr Tomias qui est au service. Trois jeux perdus par Roger Federer consécutivement, dont un break, 5 à 2 en faveur de l'Allemand.
n'a pas le sentiment qu'il y ait péril en la demeure, même si Roger devait perdre ce troisième set. Cela ne constituerait peut-être qu'une péripétie. Toujours est-il qu'il faut quand même qu'il redevienne lui-même. De supporters allemands dans cette Rod Laver Arena qui sont en train de soutenir leur joueur, à savoir Tommy Haas. Wayne, can we get someone to turn that light off? Thank you. Federer. Un break de retard pour Roger. Tommy Haas en position de conclure cette troisième manche.
toujours beaucoup de frustration du côté de Tommy Haas. Il se bat bien sûr contre Federer, mais il se bat aussi contre lui. Souvent, il manifeste quand il manque un point. Il perd pas mal d'énergie. Bien joué, 15 partout. À deux points du gain de la troisième manche, Tommy Haas, il semble bel et bien que Federer soit un petit peu moins bien que tout à l'heure. Peut-être un petit relâchement, il a beaucoup donné pour gagner ses deux premières manches 6-4, 6-0. Il jouait à un niveau exceptionnel. Deux balles de 7 en faveur de l'Allemand. Tommy Haas s'est bien battu dans cette troisième manche. Il a profité d'une petite baisse de régime de Roger Federer. Et il s'impose 6 jeux à 3, 2-7-1, toujours en faveur du numéro 1 mondial. À Roger maintenant de retrouver toute son énergie pour boucler la partie en 4-7. On le disait tout à l'heure, et la perte de cette troisième manche ne change rien à l'impression générale. Federer domine ce match, il est bien parti pour se qualifier. Ses coups répondent présents et il y a certes eu un petit relâchement dans cette troisième manche, mais je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais maintenant Roger doit alors impérativement serrer sa garde, retrouver le niveau qui était le sien au premier et au second set et gommer ses petites imprécisions qui ont fait le bonheur de Tommy Haas, lequel, cela dit, n'a rien volé. Il est aussi allé chercher les points qu'il fallait gagner pour remporter cette troisième manche. Federer au service dans ce début de quatrième manche. Alors, ça c'est une faute grave au début du set sur son service, premier point du jeu.
Un smash tout facile que Federer met hors des limites du court. Attention, 0-15. Remarquable lob de Tommy Haas. D'où nous sommes, elle nous a semblé bonne. Federer a regardé l'arbitre. Carlos Ramos, l'arbitre portugais de cette partie, n'était pas tout à fait d'accord avec la décision du juge de ligne. 15-30. Et une deuxième balle qui se transforme en ace. 30 partout. Alors, il valait mieux le faire ce point, il a choisi de raccourcir, de jouer court croisé. Remarquable choix tactique de Federer qui mène 40-30 au terme d'un échange très très disputé. Montée d'adrénaline du côté de Federer qui n'était pas au mieux dans ce jeu. Qui venait de perdre la troisième manche. Ouais, c'est bien joué là de Tommy Haas. Égalité. Le match s'est équilibré. D'une part, Tommy Haas joue mieux. Et d'autre part, Federer, par rapport au niveau de jeu qui était le sien lors des deux premières manches, semble un petit peu moins saignant. Bien joué de Tommy Haas qui agresse son adversaire qui va conclure au filet. Attention, le moment est chaud. Balle de break d'emblée dans cette quatrième manche. Encore une fois, c'est grâce
à ce coup droit que Federer se sort d'une situation difficile. Balle de break sauvée. Il y a quelques imprécisions que nous n'aimons pas en ce moment du côté de Federer. Il survolait les débats, il était sur un nuage dans les deux premières manches, il a perdu la troisième en concédant pour la première fois du tournoi son service. Et puis dans ce jeu, il éprouve mille difficultés à s'en sortir. Il a déjà dû écarter une balle de break tout à l'heure, une imprécision qui remet les deux hommes à égalité. Double faute. La belle machine s'est déréglée. Patrick Kühnen, vous l'avez vu, que l'on voit souvent à l'image. C'est l'un des entraîneurs de Tomias. Elle est bonne, elle est restée collée sur la ligne cette balle. Federer qui avait plusieurs options, qui a choisi le contre-pied, mais on a craint un instant que cette balle ne termine sa course dans le couloir. Regardez, il pouvait jouer des croisés. Ouais, elle a touché la ligne, mais j'ai l'impression que la moitié de la balle était hors du cours. Pas beaucoup de marge en tous les cas dans ce passing. Ce n'est pas grave, avantage Federer, balle de premier jeu. Voilà qui est fait. Il a eu deux balles de break dans ce jeu. Tomias, il n'a pas pu les convertir et Roger Federer peut pousser un ouf de soulagement. Il eût été dommageable peut-être de perdre ce service d'emblée dans la quatrième manche juste après avoir perdu la troisième. Chose est certaine, Tomias joue beaucoup mieux que lors des deux premières manches, pardon, et Federer un tout peu vu le niveau de son jeu baissé, et la partie s'est équilibrée.
Come on, a-t-il dit Tommy Haas. Deux balles de jeu en faveur de Tommy Haas qui, au niveau des revers, en a réussi davantage que Federer, au niveau des revers gagnants. Oh, qu'elle est bien posée cette volée. 14-13. On aimerait bien la voir, regardez la longueur de cette volée. Il est obligé de reculer et de jouer un coup difficile. Tommy Haas, qui a toujours une balle de jeu, 40-30. Un ace, c'était la meilleure façon de s'en sortir. Un jeu partout, quatrième manche, 2-7-1 en faveur de Federer, mais un match qui s'est équilibré. Un Tommy Haas qui joue crânement sa chance, c'est le défi de sa vie. Jouer contre le numéro 1 mondial dans un tournoi du Grand Chelem pour une place en quart de finale. On ne voit plus le visage de Mirka Vavrinec sourire comme ce fut le cas tout à l'heure. Tout devient plus compliqué pour Federer. C'est encore Tommy Haas qui fait le point. Le public est debout. Il se bat avec une énergie folle. Federer qui ne parvient pas à réussir la volée gagnante. Et Roger en difficulté sur son service. Regardez cette attitude, il en veut, il veut aller au bout de son rêve. Et après avoir perdu les deux premières manches, il refait surface Tommy Haas. À Roger maintenant de montrer qui est le patron sur le court. On voit un peu de fatigue sur le visage du numéro 1 mondial. Il a aussi laissé pas mal d'énergie dans ce match. Une heure et 57 minutes. Oh. Et balle de break. 30-40. Quel coup fantastique. C'est quelque chose le revers de Tommy Haas. Ouais.
jeu, Tomias. Roger Federer qui perd son service dans cette quatrième manche. Ça avait été fatal dans le troisième set. Il avait également perdu son service et Tomias avait remporté la manche. Que s'est-il passé? Tout allait bien, 6-4, 6-0. Tout d'un coup, c'est devenu moins convaincant. Tout d'un coup, Tomias s'est mis à mieux jouer, à mieux répliquer, à réussir des coups gagnants en revers notamment. Le jeu qui va suivre va nous en dire davantage sur le service de Tomias. Federer va tout tenter pour recoller au score, revenir le plus vite possible à égalité avec son adversaire, ne pas se laisser distancer dans cette quatrième manche et surtout éviter alors de se laisser embarquer dans un cinquième set. Au service dans quelques secondes, Tomias. Incroyable, toutes ces imprécisions qui s'accumulent. 40 à rien. Nettement moins serein, Roger Federer. Et 3 balles de 3 jeux à 1. Trois jeux en faveur de Tomias qui a confirmé sans aucune difficulté le break de tout à l'heure.
Oui, il y a quelques bonnes raisons maintenant de se montrer inquiet pour Federer. Il faut maintenant quelques points gagnants qui le remettent en confiance, qui le remettent sur orbite. 11 fautes non provoquées dans cette quatrième manche. 5 coups gagnants seulement, il faut vraiment inverser les chiffres. C'est déjà compliqué avec un break de retard. Imaginez s'il y en avait deux à remonter, à quel point la tâche de Federer deviendrait difficile. Surtout que Tomias sent que ce match peut rebondir en sa faveur. Rentre partout. Bien joué. L'art du champion, c'est de sortir un ace quand il est en difficulté. 40-30, 202 km/h, ce n'est pas le plus rapide. Le plus rapide avait été servi tout à l'heure à 216 km/h. 40-30, balle de 2 jeux 3. Ouais, il en veut, hein, Tomias. Dès que l'occasion se présente, il agresse son adversaire. Beaucoup d'ambition, des ambitions retrouvées depuis le gain de la troisième manche. Et puis surtout, un tennis qui suit derrière. Invraisemblable. Mais c'est invraisemblable depuis quelques instants le nombre d'erreurs du côté de Federer. C'est totalement... inexplicable. Il est à un mètre du filet et il met sa volée dans le filet précisément. Avantage as, balle de double break. Avec sa raquette et il va donc en prendre une nouvelle, puis surtout on va aller corder l'ancienne. Égalité, balle de break sauvée par Federer dans cette quatrième manche. Jeu Federer, deux partout, 3-2 en faveur de Tomias. Il a échappé au pire, Roger Federer, dans ce jeu, puisqu'il a dû sauver une balle de break. Il a un service de retard, il va tenter de servir Tomias maintenant pour confirmer son break d'avance. En tout cas, c'est une partie complètement relancée. C'est vrai que Federer, depuis... le gain des deux premières manches, a à nouveau commis beaucoup de fautes. 43 sur l'ensemble du match. C'est énorme. Contre 26 à son adversaire. Certes, les coups gagnants sont beaucoup plus nombreux côté Federer. 39 contre 22 à son adversaire. Mais
Mais c'est un nouveau match que nous suivons. Et les supporters allemands qui ont déjà applaudi à la victoire de Nicolas Kiefer plus tôt dans la journée sortent les drapeaux pour encourager Tommy Haas. À Federer maintenant de se montrer plus conquérant, moins passif sur le service de Tommy Haas, pour autant bien sûr que la première balle de l'Allemand lui permette de prendre quelques initiatives. Possible de contester le service de l'Allemand en ce moment, il sert trop bien. Encore une fois un service contre lequel il n'y a pas grand chose à faire. 208 km/h. Et Tommy Haas qui confirme toujours ce break d'avance. 4 jeux à 2. Quatrième manche, au tour de Federer maintenant. Smash qui manque de puissance, une faute sur le deuxième smash. Ah, le danger est bien réel maintenant dans ce match pour Roger Federer. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Jouer. Voilà qui est bien, il faut ce genre d'échange pour faire monter les tours, pour retrouver de l'énergie et dominer Tommy Haas.
30 partout. Et encore un moment difficile pour Roger Federer. Un break de retard, 30 partout. De break. Dans tous ses jeux de service, il a été malmené, Federer, dans cette quatrième manche. Il a déjà un service de retard sur son service. L'Allemand paraît intouchable dans cette quatrième manche. Autant vous dire que l'inquiétude est grande en ce moment côté suisse. Égalité. Bien joué. Très bien joué cette accélération. Avantage Federer, balle de 3 jeux à 4. Ouais, come on! Et puis alors maintenant il retrouve cette attitude de guerrier. On le trouvait un peu passif, mais on est rassuré. Il vient de réussir dans ce jeu plusieurs points qu'il est allé chercher, à la fois sur premier service ou encore tout à l'heure sur cette attaque coup gagnant, coup droit gagnant. Maintenant, il faut aller chercher le service perdu tout à l'heure. Encore une fois, il faut revenir dans cette quatrième manche. Il n'y a pas eu la moindre balle de break dans cette quatrième manche en faveur de Roger Federer. Tomias sert bien. Tomias tient bien son match, son set. Et s'il ne connaît pas de défaillance en premier service, la tâche de Federer va être extrêmement difficile. C'est le moment d'être là. Les supporters helvétiques doivent montrer leur soutien à Roger Federer qui souffre dans ce match. Thank you. White please. Thank you. Thank you.
7 fautes non provoquées dans cette quatrième manche. Bien joué. Les spectateurs se régalent parce qu'il y a du suspense. Ils se sont régalés par la beauté du tennis déployé lors des deux premières manches par Federer qui survolait les débats. Puis maintenant, il y a à la fois un tennis magnifique, mais il y a surtout du suspense, un terrible bras de fer entre les deux hommes. Tomias qui se montre le plus entreprenant, qui dirige les échanges. 40-15, deux balles de 5 jeux à 3. Jeu 3. Impressionnant sur ses jeux de service, Tomias. Il ne laisse pratiquement rien à son adversaire. Roger Federer, qui est pourtant l'un des meilleurs relanceurs du monde, ne parvient pas à contester le service de l'Allemand. À Federer de servir pour rester dans ce quatrième set. Bien joué, le contre-pied parfait. 40 à rien. Jeu blanc réussi par Roger Federer qui revient à 4 jeux 5. Changement de côté. L'heure de vérité pour Tomias. Il va servir pour le gain de la quatrième manche pour revenir à 2-7 partout. Jusqu'ici, dans cette quatrième manche, il a extrêmement bien servi. De service, de points marqués sur son service sont excellents, mais maintenant il va y avoir peut-être un peu de tension. Il faut conclure, il sait que Federer joue sa dernière carte dans ce jeu. Tony Roach n'avait pas vécu un moment aussi difficile. Tomias au service, il a un break d'avance, il est donc idéalement placé pour remporter cette quatrième manche. Il sert pour le set, vous l'avez vu en surimpression. Et en plus, il sert avec des balles neuves. Incroyable. C'était une deuxième balle, donc
une balle qui devait permettre à Federer de bien entrer dans l'échange et il commet immédiatement la faute. Et encore un retour qui file au-delà de la ligne de fond, 30 à rien. C'est le point de l'espoir dans ce dénouement du quatrième set. Bien anticipé, magnifique, magnifique anticipation de Tomias, 45, 2 balles de 7. Une volée à la Boris Becker qui lui permet d'avoir 2 balles de 7. De 7 partout. Incroyable renversement de situation ici à Melbourne. Roger Federer qui menait 6-4, 6-0, qui survolait les débats, qui paraissait totalement inaccessible à Tomias. Roger Federer s'est fait rejoindre, c'est bien la preuve qu'en tennis, tout est toujours possible et la victoire est désormais possible également pour Tomias, dont le mérite aura été de toujours y croire, d'avoir su exploiter la baisse de régime de Federer au troisième set. Au troisième set, il y avait 2 partout, Federer a perdu son service puis il n'a jamais pu le reprendre. Au quatrième set, même scénario, ça fait 2 sets que Tomias n'a plus perdu son service. Et il y a du danger, c'est certain maintenant, alors il y a du danger. La partie a débuté depuis 2h26 et on va devoir disputer un cinquième set décisif entre ces deux joueurs. Évidemment que Roger Federer ou Tomias jouent un cinquième set décisif. Important ce premier jeu du cinquième set pour Roger Federer. On disait tout à l'heure que Tomias n'avait plus perdu son service depuis 2 sets. Les statistiques des matchs en 5-7 ne parlent malheureusement pas en faveur de Federer. 9 défaites en 5-7 contre 8 victoires seulement. 40-0, c'est bien parti alors qu'elle parle ses statistiques en faveur
de Tommy Haas, 9 défaites contre 11 victoires. Mais on va oublier tout cela. Petite indication, Federer a retrouvé le rythme sur son service, 40 à rien. Voilà. Il était important ce premier jeu. Bien démarré dans cette cinquième manche. Et ne pas devoir, comme ce fut le cas rapidement dans la troisième ou la quatrième manche, devoir toujours voir son adversaire en tête avec un break d'avance. Bien joué de la part Federer. Autour de Tommy Haas de servir. Encore un match ici à Melbourne programmé en night session qui se finira au-delà des minuit. Je vous rappelle qu'ici en Australie, nous vivons avec 10 heures d'avance. Il est tout juste minuit maintenant. Mais les gens restent bien évidemment. Bien joué. Superbe ce revers, mais la balle revient, elle est très longue et c'est pas possible de conclure, il faut tout recommencer. Oh là là, que c'est bien fait. Superbe, rien à dire, magnifique ce que fait Tommy Haas. Les premières initiatives ont été l'œuvre de Federer. Et regardez ce passing. Dans le carré de service, court croisé. Ah oui, beaucoup de frustration sur le visage de Federer, il ne comprend peut-être pas lui-même ce qui se passe. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu Federer commettre autant de fautes. Joas. Un partout. Magnifique.
Il est en état de grâce, Tommy Haas. Regardez ce lob exceptionnel. Il y a beaucoup de supporters, Tommy Haas, on les entend se manifester. Bien joué. Deuxième coup droit gagnant de cette cinquième manche. Et jeu Federer, 2-1, ça va mieux. Joue avec beaucoup de conviction. Lui non plus sur son service n'a pas laissé l'ombre d'une chance à son adversaire. Maintenant il faut résoudre le problème du service de Tommy Haas. Problème que Federer n'a plus résolu depuis 2 sets. Federer a pris le service bien sûr dans cette partie de Tommy Haas à 4 reprises lors des 2 premières manches, remportées 6-4, 6-0. Qui a un mauvais souvenir de son dernier match livré en 5-7. C'était à l'occasion de l'US Open. Il avait perdu contre l'Américain Ginepri. Notez que Federer non plus n'a pas un très bon souvenir de son dernier match en 5-7. C'était à l'occasion de la Masters Cup à Shanghai. Il avait perdu contre Nalbandian. Federer de profiter. Ah, ça a perdu le premier point de son service. Il est allé gagner un point qu'on croyait perdu pour lui sur ce coup droit diagonal de Federer. Haas en pleine course, en bout de course, réussit le coup droit gagnant le long de la ligne, 15 partout, c'est remarquablement joué. Bien joué.
Superbe aussi, quel bon choix tactique que d'avoir raccourci la trajectoire de cette balle. Et 15-40, deux balles de break pour Federer. Le pourcentage de points gagnés sur balle de break est bon, 57%. L'occasion est belle de se donner un peu d'air dans ce match. Roger, 15-40, deux balles de break. Et une première balle qui est en panne du côté de l'Allemand. Aïe, aïe. Première balle de break manquée, galvaudée par Roger sur une deuxième balle. Voilà, rien à dire. 197 km/h. Il a retourné la situation à son avantage, ce diable de Tomias. Il avait deux balles de break contre lui, 15-40, et maintenant avantage en sa faveur, balle d'égalisation à deux partout. Supportrices de Samantha Stosur qui a perdu tout à l'heure contre Martina Hingis ont choisi leur camp. Elles soutiennent Tomias, lequel vient de se sortir d'une situation qui paraissait bien compromise. Malheureusement, Roger n'a pas su exploiter une deuxième balle. Il a complètement manqué son retour et il n'en a pas fallu davantage pour que Tomias revienne dans le jeu. De partout. La balle est trop longue. Match extraordinaire, il était mené 2-7 à rien. Plus personne vraiment ne croyait en ses chances, sauf lui. Et il est revenu à 2-7 partout face au numéro 1 mondial. Il en aura fait des points avec ce revers, Tomias, depuis le début du match.
Bien joué. Ah, il fallait oser, hein, à 15-30. 30. Et chaque point demande une concentration extrême, une débauche d'énergie folle. Il y a peu de points qui se gagnent en un seul coup de raquette. Sauf l'ace que Federer sort à bon escient. 3 jeux à 2. Il a passé depuis le début du tournoi 4h24 sur le court Roger Federer pour passer le cap des trois premiers tours. Et ce match, lui, dure déjà depuis 2h45, 3 jeux 2 dans la cinquième manche. Aucun des deux joueurs n'a perdu son service. Regardez, les chiffres sont étonnants. 56 winners côté Federer, 30 côté Tomias. Mais c'est surtout le nombre d'erreurs non provoquées qui nous inquiète chez Federer. 55, c'est totalement inhabituel chez lui. Contre 32 à son adversaire dans le match contre Max Mirny, par hasard, pour vous donner une comparaison, Federer n'avait commis que 10 erreurs non provoquées. Aucun des deux joueurs, vous disais-je, n'a perdu son service dans cette cinquième manche. Tomias a été en difficulté tout à l'heure puisqu'il a dû sauver deux balles de break. Allez, c'est bien joué. Sur ce coup, 35. Bien joué. Ah, il faudra aller chercher les points. Il faudra sortir les grands coups pour gagner ce match, que ce soit du côté de Tomias ou du côté de Roger Federer. Et c'est le joueur qui aura le plus de constance dans les coups d'attaque, dans les coups gagnants, qui s'imposera. 30 partout. Superbe.
absolument superbe. Balle de break, c'est la troisième balle de break dans cette cinquième manche. Il y en a eu deux tout à l'heure qui n'ont pas pu être convertis. Regardez ce coup, il est somptueux. Un petit coup de patte là qui ne paye pas de mine, mais placé au millimètre. Thank you. White, please. La balle est annoncée out par la juge de ligne. Il est trop loin, il ne peut pas overrouler, il est beaucoup trop loin, l'arbitre de chaise, monsieur Carlos Ramos, l'arbitre portugais. Balle de break convertie en jeu, 4 jeux à 2 en faveur de Roger Federer. On comprend la frustration de Tomias, on va excuser son langage et ses excès de mauvaise humeur. C'est normal à ce stade du match, la tension est extrême, il a manqué ce coup d'un rien et rien ne dit qu'il n'y ait pas eu faute d'arbitrage sur cette action. En tout cas, c'est à Federer maintenant d'enfoncer le clou, c'est à Federer de profiter de cet avantage. 4 jeux à 2, 15 à rien, 204 km/h pour ce dernier service. C'est bien joué. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Federer a su rehausser le niveau de son jeu. Et bien joué de nouveau. Belle conclusion, il est allé chercher ce point, il est allé la chercher, cette balle de contre de Tomias. Rien, 3 balles de 5 jeux à 2 en faveur de Federer. Et encore une fois, grâce à la magie de son service, Federer s'octroie une balle facile pour son deuxième coup de raquette dans cet échange. 5 jeux à 2. Federer a un break d'avance. Quel match livré par l'Allemand. On savait bien évidemment qu'il était plein de talent. On savait aussi qu'il avait du caractère, que c'était un formidable guerrier. Par contre, il faut bien l'avouer, après les deux premières manches, 6-4, 6-0, on ne voyait pas comment il allait pouvoir s'en sortir. Eh bien, il a été assez brillant dans la mesure où il a pris une fois le service de Federer et il s'est accroché avec son service. Et puis après avoir gagné la troisième manche, il a continué à se battre. Il a continué à profiter des largesses inhabituelles de Federer pour remporter la quatrième manche. Heureusement, Roger a su, dans cette cinquième manche, retrouver les bonnes sensations, les bonnes ondes, les bons coups. Rien n'est fait encore. Il y a un break d'avance en faveur de Federer. 5 jeux à 2, mais il va encore y avoir de la souffrance et de la sueur sur ce cours pour aller jusqu'au bout. Thank you.
0-15. Vous l'avez vu, il a cherché la diagonale en revers, un petit peu de précipitation dans l'exécution de ce coup. 15 partout. Deux balles de jeu, deux balles de trois jeux à cinq. Le plus dur reste à faire pour Tomias, marquer son jeu. Un point qui permet à Federer de rester vivant dans ce jeu, d'y croire encore. Pour Tomias, il a le couteau sous la gorge, il est mené 5-2, égalité. L'accélération de Federer est manquée, nouvel avantage à Tomias. Égalité. On va revoir. Ouais, belle anticipation. Il couvrait bien le court, Roger Federer. À la suite de sa balle amortie. De nouveau, beaucoup de pression sur les épaules de Tomias. Bien joué, là, le revers le long de la ligne. Judicieux choix tactique de Federer. Superbe coup d'œil, il a vu que son adversaire se replaçait. Son adversaire attendait peut-être le revers croisé. Regardez, il se replace et il joue magnifiquement le contre-pied. C'est une balle de match en faveur de Roger Federer sur le service de Tomias. C'est une belle victoire pour Roger Federer, une victoire acquise dans la souffrance, une victoire qu'il a dû aller chercher. Et bravo quand même à Tomias
qui a passablement gêné Federer, qui a eu le mérite de revenir de 2-7 à 0 à 2-7 partout. Federer a dû aller puiser dans ses réserves dans la cinquième manche pour s'imposer 6 jeux à 2, mais l'inquiétude a régné à un moment donné dans ce match. Après 2-7 perdus de façon assez incompréhensible par un Federer méconnaissable qui a cumulé les fautes directes, on a heureusement retrouvé le vrai, l'authentique numéro 1 mondial dans la cinquième manche. Et grâce à la qualité de ses premiers services, grâce aussi à la justesse de ses choix tactiques et la qualité de ses coups d'attaque, Federer s'en est sorti. Mais on a tremblé, il faut bien le dire. Federer est qualifié pour les quarts de finale de cet Open d'Australie. Il a perdu pour la première fois du tournoi 2-7. Il était malmené par Tommy Haas, 41e joueur du monde. Mais l'essentiel est acquis. On va voir, j'espère qu'on va entendre ce que va déclarer Roger Federer au micro de Jim Courier, ancien numéro 1 mondial. Tell us about it. You were up 2 sets to love. You obviously saw that Davidenko came back from 2 sets to love. Did it cross your mind at all? Were you focused? What were you thinking, man? Well, I had the feeling everything turned around really. Malheureusement, on ne voit pas Roger Federer, on ne l'entend pas.